Voilà, je vais vous montrer une petite partie faite avec mon Vanshack 25 tonnes. Donc hier, j'ai passé une soirée à jouer avec en platoon et ça a été la misère. On a perdu beaucoup, donc j'ai mon winrate qui a plongé en flèche sur ce char, malgré que je fasse des dégâts. Donc voilà, pourquoi je vous présente cette vidéo? Alors, cette vidéo est intéressante parce que regardez bien qui c'est qu'il y a en face. Jendy Walls, des Omnis. Donc pour ceux qui connaissent sur Twitch, il Twitch souvent, il fait souvent du stream. C'est un très bon joueur, un petit jeune qui joue super bien. Et donc je me dis, oulala, avec des joueurs comme ça va être chaud patate. Surtout que regardez bien, au niveau des lourds, on n'a que dalle. Au niveau lourd tier 10, je parle. Et puis au niveau lourd général, on n'a pas grand chose. Par contre, on a un avantage de médium non négligeable. C'est ce qui fait que la partie peut être retournée facilement. Donc là, point de spot tout de suite, rapidement. On se met en position, binou enclenché, filet, enfin filet camo. Il a déjà l'objet. On va pas le chercher, bien entendu. On a le T57 et bien, on va lui en mettre quelques-unes. C'est pas rentré. Je le vise entre la tourelle et le châssis pour bien lui bousiller sa tourelle. Voilà. Allez, un petit coup de line. Ça passe pas. Je suis en reload, j'ai pas été détecté. Il n'y a pas de raison que je bouge. Et là, regardez, qui c'est qui apparaît? Gengis Wolf. Donc c'est intéressant de voir où il va. On voit que là, on a une masse de médium. Ici aussi. Donc ça devrait bien se passer. Donc là, je suis pas réel. Mais c'est l'inconvénient. On voit des choses, on peut rien faire. Donc là, le M41 qui m'a spot. Allez, on est spot, on bouge. Moi je suis reload. Le M103 qui est parti tout seul dans le coin des lourds. Voilà, Jindy Wolf qui a pris une position de défense maintenant. Et oui, il est pris entre deux feux, devant, derrière. Donc là j'ai rien à croquer. Donc on attend, gentiment. Il est pas temps d'y aller, vous voyez, en fait il y a. Tant qu'il y a un T28, un T44, un M103, si on va là, on se fait découper. Donc, si vous regardez bien, le Sta, c'est ce qui lui arrive. Je n'ai pas cher de sa peau. Même s'il s'en sort bien pour le moment. Ça blind, ça blind, ça blind, enfin ça blind, ça bounce. Donc en fait le Sta s'en sort super bien. Et maintenant on va aller charger Monsieur Gengi Wolf. Gengi Wolf, je sais pas comment on prononce ça. Donc j'ai 3 obus. On a pris largement l'avantage, vous voyez comme quoi le médium. Sacrée force, donc là l'IS-7, donc dur à percer. Hein. Il vient de tirer, c'est nickel. Allez, bas de caisse, déchenillé, et là je recule parce qu'il va être reload. Et là il a pas la dépression, et si, par contre il boune sur ma tourelle, donc c'est impeccable. Mais j'avais bien calculé, j'ai failli me prendre quand même. En fait, il doit être bien OP son char parce que. Je sais que ça met 11 secondes à peu près et il a mis un petit peu moins. Donc là je suis en reload donc je vais me planquer. Donc là il se fait charger la tête. Hein. Vite mourir. Et on sait qu'il y a deux lourds ici. Allez chercher, là ça on sert plus à rien. Donc pendant que je reload, je suis en train de me localiser, voilà. Plus l'Arctic a pas été spot. Mais bon en général on sait où elle est. Hein. Allez, mes alliés arrivent. Donc je vais en profiter pour mettre quelques dégâts. Donc vous voyez, c'est pas une partie où je fais beaucoup de choses, mais bon.
C'était pour vous montrer un petit peu la puissance des médiums. Et puis notre ami Genji, donc l'artie, elle est à droite, hein, j'ai été spot. Donc ça c'est clair. Donc là il y a un char qui arrive, voilà, l'IS-8, il m'en met une. Allez hop. On joue avec son canon. Et là je suis en ligne. Il loot son tir. Allez les alliés, finissez-moi son bus. Voilà, impeccable. Donc là, champ et l'autre, je sors pas, je pouvais pas me prendre un shoot bêtement, surtout qu'il m'en garde. Voilà, l'artie pendant ce temps-là a été éliminée. Voilà, partie terminée sur une belle petite victoire. Et vous n'aurez pas les images parce que je ne les ai pas gardées. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!